gens au début ne savaient pas, ne comprenaient pas ce que je voulais faire, n'est-ce pas? Quand on parle de danse, handicap et danse, c'est des choses qui bougent, il y a le rythme, tout ça. Par rapport aux acteurs et tout ça, j'ai reçu beaucoup de questions avant de faire le casting. Moi, je savais qu'il y avait des danseurs et des danseuses handicapées, n'est-ce pas, qui pouvaient, parmi eux, un pouvait faire le film. Et je voulais faire un film qui bouge, parce que quand on parle de handicap, les gens, beaucoup de gens pensent que il doit s'asseoir, parce que une personne handicapée qui s'assoit, qui fait de l'informatique, c'est normal, c'est sa tête qui fonctionne. Mais je voulais faire une personne qui fait bouger ses membres. Penda a fait bouger ses parties qui sont handicapées, ses jambes. Penda, à la fin du film, était en haut avec les béquilles en l'air, n'est-ce pas? Après ça, maman est venue pour chanter ses éloges. Ça, on ne le voit pas toujours. Les personnes handicapées, parfois, c'est la pitié, c'est la misère, etc. Il n'y a nulle part où l'accessibilité est correcte à 100%. Partout, il y a des déchéances. Chez moi, côté éducation, il y a l'inaccessibilité des bâtiments et l'inaccessibilité des formateurs. Parce qu'une personne qui doit encadrer ses enfants doit être préparée à ça. En Afrique, il y a aussi les préjugés. C'est au Sénégal et c'est l'Afrique. Les préjugés, c'est quoi? Un enfant handicapé, parfois, on le taxe d'autres choses surnaturelles pour ne pas dire des choses qui... Par exemple, le tôt le matin, l'enseignant peut refuser de faire face à un enfant albinos. Vous avez appris l'histoire des albinos en Afrique, pas au Sénégal, mais en Afrique, disant que leur sang, ça donne le pouvoir. Tout ça, c'est des choses qui répercutent sur la société, sur l'éducation, sur le sport, sur la culture, sur la santé, sur partout. La santé coûte cher. Par exemple, l'appareillage coûte cher au Sénégal. C'est le monde qui doit continuer à réfléchir sur ça. Parce qu'il y a des personnes handicapées qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont partout, mais qui doivent avoir une discrimination mondiale positive. Et si l'ONU décrétait quelque chose, une égalité de chance mondiale pour tout le monde, et à part de là, c'est possible, pourquoi pas.